Alors, je vais commencer en fait par le terminus. Qu'est-ce que c'est en fait que le Jésus de l'islam? Pour essayer de mesurer un peu la distance qui nous sépare entre la figure de Jésus dans l'islam et la figure historique de Jésus. Alors, oui, ça marche. La figure musulmane de Jésus, déjà, elle ne s'appelle pas Jésus. Dans l'islam, vous savez que Jésus est appelé Issa. Issa, ce qui n'est pas la traduction exacte de Jésus, comme je vais le dire là. Et alors, qui est Issa dans l'islam? Il est considéré comme le plus grand des prophètes musulmans. Issa, en fait, est un prophète. En arabe, un nabi. Il y a 25 prophètes dans la foi musulmane. Et il est aussi un messager. Il y a cinq messagers dans la foi musulmane, à commencer par Abraham, Moïse et ainsi de suite. Selon les commentateurs, en fait, un prophète, c'est une personne qui est informée par Dieu, qui puise l'inspiration de ses faits et gestes dans une source divine. Si en plus il est envoyé à ceux qui violent l'ordre de Dieu pour leur transmettre un message de ce dernier, il est alors appelé messager. Donc c'est encore au-dessus du prophète. Mais si en revanche il ne fait qu'appliquer la loi de son prédécesseur, il est alors un simple prophète. Et donc Jésus Issa dans l'islam, il est messager en tant qu'il transmet l'évangile à l'Injil, qui est au singulier dans la tradition musulmane. Cet évangile, on ne sait pas très bien ce que c'est, puisque on n'en a pas d'exemplaire qui nous est parvenu jusqu'à présent, mais il nous est dit que c'est la parole immuable d'Allah, de Dieu, que Issa transmet à ses propres disciples. Et on peut imaginer, puisque la parole de Dieu est immuable et que le Coran l'est tout autant, que ça ressemble beaucoup au Coran. Et en particulier, cette figure prophétique de Issa, Jésus dans l'islam, elle est prophétique dans la mesure où il a un rôle de prophète, à savoir qu'il annonce quelqu'un qui viendra après lui. Il annonce la venue de Mahomet comme ultime prophète, sceau de la prophétie. Et ça, les musulmans le décryptent ou veulent le lire en faisant une relecture très orientée du Nouveau Testament, dans laquelle ils identifient Mahomet dans les paroles de Jésus qui annonce la venue du Paraclète, de l'Esprit de vérité. Et puis dans d'autres passages également. Alors, cette figure musulmane de Jésus, je vous ai dit, c'est le plus grand des prophètes avant Mahomet, et peut-être même le plus grand des prophètes. Parce qu'on va voir qu'il a des caractéristiques assez extraordinaires, mais pourtant il est présenté avant tout comme un bon musulman et un simple homme musulman. Le Coran et les traditions musulmanes nous le présentent donc comme un homme simple, quelqu'un qui est né, qui va mourir, donc c'est-à-dire un homme tout ce qu'il y a de plus humain, et donc dans ce sens-là assez différent de ce qu'en dit la foi chrétienne. En particulier, il n'est pas mort sur la croix. Donc, il est encore moins ressuscité. Il y a un verset du Coran qui le dit. À cause de leurs paroles, celles des Juifs, c'est la sourate 4, verset 157. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, les Juifs, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc, on voit qu'il y a une négation de la mort et de la crucifixion de Jésus. C'est un faux semblant, alors les commentateurs musulmans parlent de quelqu'un qui lui ressemble, qui aurait été crucifié, ou des spectateurs de la scène qui auraient été mystifiés par Dieu. Et Jésus n'aurait pas été crucifié, ne serait pas mort sur la croix. Autre chose également, son nom est très explicite, même s'il est un peu curieux, si on remonte en fait à ses racines araméennes. Le nom d'Issa, en arabe islamique, il provient en fait de la, on va dire la troncature du nom de Jésus en araméen. Jésus en araméen, c'est Yeshua ou Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, avec derrière un sens. Si Dieu sauve, c'est que le salut est arrivé. Mais cette troncature, en fait, elle enlève le Aïn à la fin pour faire de Yeshua un Ésaü, en fait. Il n'y a plus de notion de Dieu qui sauve. Donc le salut n'est pas encore arrivé. Le salut reste à venir. Et on peut comprendre ce nom qui est donné à Issa au lieu de celui de Jésus, parce que le rôle d'Issa n'est plus celui de donner le salut au monde dans l'islam. Le salut qui est donné en islam au monde par d'autres moyens qu'on va voir.
Et enfin, ce Jésus, en tant que bon musulman, ce serait quelqu'un dans le discours musulman qui aurait parfaitement appliqué la foi musulmane, qui aurait appliqué la charia à 100%, et qui en particulier réfute la foi chrétienne. Comme le dit le verset 33 de la sourate 19, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a fait prophète », le verset fait parler Jésus, bien sûr, « Il a fait de moi une source de bénédiction, où que je sois, il m'a enjoint la prière, la zakat tant que je vivrai », donc voilà un bon musulman, « Il m'a rendu dévoué envers ma mère, il m'a fait ni insolent ni misérable, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, je suis un vrai homme, je ne suis pas de nature divine, et le jour où je serai ressuscité, au jour dernier. » Enfin, cette figure de musulmane de Jésus, je vous l'ai dit, c'est à la fois le plus grand des prophètes, c'est en même temps un homme tout simple, mais quand on y regarde un peu plus près, ça ne peut pas être un homme tout simple. Et ça, les musulmans sont obligés de tenir les deux bouts de la contradiction, parce qu'il est en même temps un homme complètement extraordinaire. A savoir que cet homme simple, il a une naissance miraculeuse, puisque sa mère, Mariam, est dite vierge, et donc il naît d'une mère vierge, ce qui ressemble quand même beaucoup au Jésus de la foi chrétienne. Il est dit être le Messie, et dans le Coran, il est nommé mais à de très nombreuses reprises comme étant Issa al-Masih, Jésus le Messie. Mais on ne sait pas trop ce que ce terme de Messie recouvre en islam, parce que ça n'est pas la tradition hébraïque qui donne ce sens au mot de Messie, ce sont des commentaires assez tardifs, et ça reste très très obscur. Donc c'est un titre qu'il porte sans pour autant qu'on lui trouve un sens, mais en tout cas il porte ce titre. Cet homme extraordinaire, il l'est parce qu'il réalise notamment des miracles, contrairement à Mahomet, Issa réalise des miracles, et on pourrait dire que ce sont... contrairement au Jésus de la foi chrétienne, des miracles qui n'ont pas vraiment d'autre sens que de démontrer une puissance divine. J'en ai mis quelques-uns sur le côté. Par exemple, dans les miracles en question, il parle, ça on le lit dans le Coran, il parle aux gens dès le berceau. Il fait descendre du ciel une table servie avec des mets dessus. Il façonne de la glaise en forme d'oiseau. Il souffle dessus, l'oiseau vivant apparaît. Mais derrière, le sens de ces miracles, contrairement par exemple à un miracle de guérison ou Jésus qui redresse la femme courbée, le sens est, mis à part le fait d'épater la galerie, de dire c'est moi qui suis puissant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est assez curieux parce que ça rentre en contradiction avec le discours musulman qui veut faire de lui un simple homme, un homme ordinaire. Et enfin, c'est un homme extraordinaire parce que il a quand même un rôle assez particulier en islam, alors certainement prophète et messager, mais c'est lui qui reviendra à la fin des temps et non pas Mahomet. À la fin des temps, Dieu renverra Jésus sur terre, Issa sur terre, il l'a enlevé au moment de la crucifixion, avant la crucifixion, pendant la crucifixion, là les traditions sont assez obscures ou contradictoires. Dieu a enlevé Jésus pour empêcher qu'il ne meure sur la croix et il le garde en réserve au ciel dans l'attente du jour dernier, le jour du jugement, le jour où le monde entier sera convoqué en fait devant Dieu d'une certaine manière. C'est un jour qui se passera de façon très, très physique, à savoir qu'à la suite d'événements apocalyptiques, les musulmans, par la force de leurs armées, subjugueront le reste de l'humanité et la forceront à la conversion à l'islam ou à la mort. Et Jésus sera à ce moment-là renvoyé du ciel sur terre pour une ultime mission qui sera celle de vaincre l'Antichrist, que les traditions disent être le menteur, le faux messie, le Dajjal. Sa mission sera de confondre les chrétiens en leur disant « mais vous aviez tort d'être chrétien ». Il fallait me suivre, moi, Jésus musulman, et pas la figure chrétienne de Jésus. En particulier, il viendra détruire toutes les croix et tuer tous les porcs. Oui, donc c'est un homme, un vrai, quoi. Et pas un dieu. Donc au final, on se rend compte que cette figure musulmane de Jésus, à la fois prophète et messager, à la fois homme extraordinaire et simple homme, même si on a du mal à tenir tous les bouts, on se rend compte qu'elle est avant tout un Jésus non chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire, et même un Jésus anti-chrétien, dans le sens où son rôle, on a l'impression au fil du Coran, est davantage de réfuter la foi chrétienne que d'apporter quelque chose dans la théologie musulmane elle-même. Son rôle à la fin des temps, au final, qu'est-ce que ça veut dire que de vaincre l'Antichrist ?
Qu'est-ce que ça change, en fait, dans la foi musulmane ? Peu de choses. Concrètement, le rôle de Jésus, dans la tradition musulmane, il est la réfutation du christianisme. Alors, déjà, l'étude de ce discours musulman révèle des incohérences assez profondes. En se situant toujours, comme je le fais, dans le discours musulman, il y a quand même des choses qu'on a du mal à prendre pour réalistes ou légitimes. Je vous l'ai dit, cette figure, elle est contradictoire dans le sens où elle est présentée à la fois comme étant un simple homme et un homme extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut tenir les deux bouts ? Moi, j'y vois forcément des vestiges de la figure réelle et extraordinaire de ce qu'était Jésus avant que l'islam ne s'empare de lui. Et les vestiges en particulier de la figure chrétienne de Jésus. Autre chose également, cette figure d'Issa musulman, tout extraordinaire qu'elle soit, n'a laissé aucune trace dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aucun écho n'a été donné à sa prédication que les musulmans disent être une prédication islamique musulmane. Or, on a quand même des échos de la prédication de Jésus. Et s'il est aussi extraordinaire que ce que les musulmans en ont dit, comment ça se fait que rien de ce qu'il a dit de façon musulmane ne nous soit parvenu ? En particulier, on n'a aucune trace de son évangile, à l'Injil, son évangile musulman. Et c'est quand même derrière une contradiction, enfin un point d'incohérence très fort dans le discours musulman. On a en revanche des réminiscences de la figure islamique de Jésus, si on peut appeler ça des réminiscences, qui apparaissent dans les courants tardifs judéo-chrétiens, ou plutôt ex-judéo-chrétiens. C'est-à-dire que dans les écrits apocryphes, dans certains écrits apocryphes, on va retrouver les mêmes légendes que celles que l'islam va dire sur Jésus, du type de l'oiseau façonné anglaise, et que, sur lequel Jésus souffle pour en faire un oiseau vivant. Mais ce qu'on est obligé de constater, de fait, vu qu'il n'y a, mis à part ces réminiscences dans certains textes apocryphes, et qu'il n'y a aucune trace du Jésus musulman dans l'histoire, c'est que le personnage, la figure d'Issa, en tant que musulman, elle apparaît à la suite, si on se situe dans le discours musulman lui-même, à la suite de la prédication de Mahomet. C'est Mahomet qui, par l'inspiration divine, par la révélation, révèle aux hommes qui a été Jésus, sans qu'il y ait eu de transmission de ce souvenir, en fait. C'est un personnage qui, en fait, est imposé dans l'histoire. On va dire, je me présente devant vous aujourd'hui, on est en 2016, et je vous annonce qu'il y a 600 ans a vécu un tel, dont personne n'avait entendu parler jusqu'à aujourd'hui, et il a fait ça, exactement, et je vous décris sa vie. Il est complètement imposé dans l'histoire à partir de l'apparition de l'islam, donc par la prédication de Mahomet. Ça pose quand même une question, c'est que le discours musulman stipule que l'islam apparaît entre 610 et 632 avec la prédication de Mahomet. Dans les faits, on n'a aucune trace matérielle de l'existence de l'islam comme il se présente aujourd'hui, avant le 9e siècle, et les premiers recueils coraniques complets, les premiers recueils de hadith, les premiers textes qui est de biographie de Mahomet, la Sirah, et sans ces textes-là, qui décrivent l'islam comme il est à peu près aujourd'hui, et encore il y a eu pas mal d'évolutions depuis, on ne peut pas affirmer que l'islam a existé. On en reste sur des présomptions. Donc la question se pose, le personnage imposé dans l'histoire à partir de l'apparition de l'islam, oui, mais de quand date l'apparition de l'islam ? Et enfin, il y a quand même quelque chose aussi, une interrogation de fond qu'on peut avoir, c'est que, on connaît la figure chrétienne de Jésus, à peu près quand même, on voit ce qu'est la figure musulmane et on voit quand même un énorme décalage entre ces deux figures. Le discours musulman nous dit que Mahomet avait prêché à des polythéistes et des ignorants, donc absolus, de la figure de Jésus. Et effectivement, s'ils avaient été un tant soit peu au courant de ce qu'avait été le Jésus chrétien, ils n'auraient jamais pu croire dans la figure islamique de Jésus comme elle leur a été présentée. Elle est vraiment beaucoup trop loin. Donc il fallait vraiment des ingénus ou des ignorants complets pour croire que la figure islamique de Jésus avait existé comme Mahomet, selon le discours musulman, l'aurait présenté. Et donc, il fallait qu'il soit resté totalement à l'écart de l'œuvre d'évangélisation qui a été faite au Moyen-Orient. Mais ce discours musulman lui-même stipule que Mahomet et l'auditoire à qui s'adresse sa prédication à la Mecque et à Médine fréquentaient des chrétiens.
Alors, ils s'appellent Nazaréens, mais ils sont présentés comme étant chrétiens dans le discours musulman. Et donc, de fait, la figure chrétienne de Jésus était connue, puisqu'ils sont présentés comme chrétiens. Et on peut se dire, mais comment est-ce que des gens qui connaissaient la figure chrétienne de Jésus ont pu croire à un Jésus aussi différent ? On est tellement loin, en fait, dans les deux figures, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait. C'est comme si moi, aujourd'hui, je venais vous dire, je ne sais pas moi, que Napoléon était en fait un extraterrestre, quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, avec le Napoléon que vous connaissez, parce que bah, vous avez été à l'école, et ainsi de suite. Vous allez me demander des gages. Et donc, en fait, on voit déjà là l'idée qu'il y a eu, après ce que le discours musulman dit être la prédication de Mahomet, au minimum après, il y a eu de la manipulation. On a recomposé petit à petit la figure historique de Jésus. En bref, le discours musulman présente des graves, enfin, des incohérences très très profondes qui font que, à mon sens, sur la figure historique de Jésus, il est peu crédible. La figure de Jésus n'y apparaît pas comme historique, comme je vous l'ai dit, elle émerge d'un coup, d'un seul, de l'histoire, et de fait, elle ressemble beaucoup à une reconstruction. Maintenant, je vous ai parlé de ça du point de vue du discours musulman. Si on se passe maintenant, j'ai mis ça à l'épreuve du bon sens historique, donc je ne vais pas aller dans le détail des recherches d'Echo sur l'historicité du christianisme et la figure historique de Jésus, mais rien que des choses qui relèveraient du bon sens historique nous font comprendre que cette figure d'Issa telle qu'elle est prêchée par l'islam est complètement anti-historique. Déjà, ce changement de nom. On ne change pas le nom d'un personnage de façon aussi significative, comme je vous l'ai dit. Derrière le changement de nom, il y a un changement de figure, un changement du rôle qu'on attribue à Jésus. Jésus, il est connu dès le 1er siècle et décrit dans des traditions, par des historiens et des commentateurs, même extérieurs à la foi chrétienne, comme s'appelant Jésus et pas Ésaü. Par ailleurs, la crucifixion, on ne peut plus maintenant la mettre en doute d'un point de vue historique. C'est vraiment un événement historique. Alors, je vous ai parlé de témoignages extérieurs à la foi chrétienne. On en a maintenant quand même quelques-uns, des témoignages extérieurs à la foi chrétienne. On peut parler de Flavius Joseph qui décrit justement la crucifixion de Jésus. L'événement en lui-même, comme le dit saint Paul, scandale pour les juifs, folie pour les païens, semble inimaginable d'un point de vue rationnel. Comment est-ce qu'on aurait pu inventer l'idée d'un Messie crucifié alors que c'est un tel scandale et une telle folie? Et comment est-ce qu'on aurait pu aller mourir pour cette idée, comme les premiers chrétiens, les martyrs l'ont fait? Et puis, on a maintenant même une preuve matérielle. Je ne résiste pas au plaisir quand même de vous la montrer, vous la connaissez peut-être. Le linceul de Turin montre, on a fait quelques analyses assez récemment, en 1997. Donc vous voyez la figure de Jésus, enfin la figure de l'homme du linceul, Jésus. Et avec des filtres chromatiques appliqués au linceul, on a retrouvé des écritures, ici nazarénien, ici innece, qui veut dire innecem ibis, à la mort tu iras. Donc on a bien sur le linceul même l'inscription que c'était celui de Jésus, du nazarénien, et qu'il a été condamné à mort. Et que, bon, ça paraît difficile de nier sa crucifixion, alors, sa résurrection, ça, c'est autre chose, mais. Là, on a quand même un document historique qui nous montre sa condamnation à mort par crucifixion. Et par ailleurs, comme on l'a vu, comme le père Édouard Marie a pu en parler hier, il y a un caractère complètement absurde et anti-historique au polythéisme mécois. J'espère avoir le temps aussi de le développer un petit peu tout à l'heure. Mais rien qu'à citer un chercheur français qui a passé sa vie à faire des fouilles dans la péninsule arabique, parce que c'est permis, il en a fait énormément au Yémen et en Arabie Saoudite. Les Saoudiens ne sont pas contre l'histoire si elle va dans leur sens. Et donc cet homme, Julien-Christian Robin, qui est directeur d'une unité de recherche au CNRS, affirme que la péninsule arabique était entièrement christianisée et juive au 6e et 7e siècle. Et que le seul endroit où serait resté un îlot de paganistes serait la petite région de la Mecque. Et il le dit sur quoi? Sur la base des seules traditions musulmanes, sachant qu'il n'a pas eu le droit d'aller fouiller à la Mecque, évidemment.
Donc ce polythéisme mécois semble d'autant plus absurde que les traditions musulmanes nous disent que ce sont des païens de l'Arabie qui convergent, enfin des polythéistes de l'Arabie qui auraient convergé vers le sanctuaire de la Mecque, alors même que toute l'Arabie n'était plus polythéiste, et depuis longtemps. Par ailleurs, quand on regarde un peu le Coran, le père Édouard-Marie en a parlé encore hier, on voit que la prédication coranique, la prédication qui est traduite dans le Coran, dont on a la trace dans le Coran, s'adresse à un auditoire christianisé. On le sait parce que les mouchrikoun qui sont décrits là sont des associateurs qui associent au Dieu unique, au Dieu du monothéisme, Allah, des associés, sinon les chrétiens, qui associent le Saint-Esprit et Jésus comme faisant partie de la Trinité. Et donc, face à cette absurdité du polythéisme mécois, on se rend compte que le discours musulman ne tient pas et que là, pour le coup, il y a forcément eu une recomposition de la figure de Jésus. C'est-à-dire que la première prédication coranique auprès d'Arabes christianisés, si tant est qu'ils aient été à la Mecque, elle ne peut pas, pour le coup, avoir présenté Jésus comme le discours musulman le présente aujourd'hui. Si on s'adresse à des chrétiens et qu'on vient leur dire « Regardez Jésus, en fait, il est exactement comme je vous le dis, c'est-à-dire un simple homme, un prophète d'Allah, il a donné un évangile, on n'en a plus de traces. » Et blablabla, et comme ça, on déconstruit complètement la figure chrétienne de Jésus. On ne peut pas s'adresser à des chrétiens avec quelque chose d'aussi loin, d'aussi éloigné de leur figure à eux de Jésus. Et ça, à mon sens, c'est un indice, mais plus qu'un indice, une preuve que, après la prédication dont on trouve la trace dans le Coran, il y a eu une recomposition de la figure de Jésus. Et que le Jésus qui est présenté dans le Coran, le Issa qui est présenté dans le Coran, il rend compte d'une sorte de stade intermédiaire de la figure de Jésus entre ce qu'elle est aujourd'hui dans le discours musulman, ce qu'elle a pu être au moment de la prédication, et donc forcément... Ça nous amène derrière à penser qu'il y a eu, avant la prédication, également, des recompositions de cette figure. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous maintenant. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris que ces incohérences fondamentales du discours musulman à propos de Jésus, ben, il faut s'atteler à un travail historique. Alors, je me fonde bien sûr sur les travaux du père Édouard-Marie. Et on va voir ensemble, en fait, comment cette figure de Jésus a pu être transformée dans l'islam. Alors tout d'abord, si on fait l'histoire, on va la commencer à partir du contexte de la venue du Jésus historique. Ce contexte, je le rattache bien sûr à l'attente messianique du peuple hébreu. Le peuple hébreu attend un Messie, et par les textes et les traditions des Hébreux, on en a une définition de ce Messie qui est à la fois assez précise et encore assez floue. À savoir qu'on ne sait pas si ce sont un ou plusieurs messies. Son rôle exact peut être plus ou moins fluctuant. On parle de restaurateur du temple chez Ézéchiel, d'un nouveau Moïse, un nouveau prophète, un nouvel Aaron, un nouveau grand prêtre, un nouveau roi, un nouveau David. Et par ailleurs, les Hébreux associent à la venue du Messie la réalisation des promesses de Dieu à son peuple. La promesse de la terre, la promesse de la descendance qui a été faite à Abraham, l'accomplissement de l'alliance, l'union retrouvée à Dieu dans ce sens-là, et puis par les prophètes, des notions de rétablissement d'Israël et même de suprématie d'Israël sur les nations, d'affirmation de la gloire d'Israël. On le voit notamment chez Isaïe, les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, leurs rois te serviront. La nation et le royaume qui ne te servent pas périront, les nations seront exterminées. On voit donc que dans l'attente messianique, il pouvait y avoir déjà des idées de projets qu'on pourrait appeler messianistes, mais pré-chrétiens. Et effectivement, dans les faits, il y en a eu. C'est-à-dire des projets politiques ayant le religieux comme trame. Et dans l'histoire, on en a eu justement des projets politiques chez les Hébreux. Il y a eu des tentatives de libération de l'occupant motivées justement par cette attente messianique. La révolte des Maccabées contre les occupants, je crois que c'est les Séleucides, les Grecs. La révolte de Judas Galiléen au tout début de l'ère chrétienne. Les actions des Sicaires, par exemple, au temps même de la prédication de Jésus. Et puis, il y avait également des développements de courants religieux
au fil de l'histoire du peuple hébreu, qu'on pourrait apparenter à des formes de repli communautaire. Alors, on a parlé des Esséniens avec les bémols qu'y a mis le père Édouard Marie, ou même, dans un sens, le développement du pharisaïsme, témoigne d'une quête de la pureté religieuse. On a donc là brossé assez rapidement un contexte à gros traits de ce que pouvait être l'attente messianique du peuple hébreu, en fait. Et c'est la venue de Jésus qui va préciser cette figure du Messie, en fait, parce que Jésus va être reconnu comme Messie par même une majorité des Hébreux vivant en Judée-Palestine. Ça, c'était Pierre Perrier qui nous l'avait expliqué lors de la session de l'été dernier. Sa venue, ses actes, et en particulier ses miracles, le pointent comme étant, lui, le Messie attendu parmi son peuple. Et donc, il va cristalliser autour de lui les différentes espérances qui pouvaient être celles du peuple hébreu autour d'un Messie. Et puis, il va développer, à partir de son propre enseignement et de ce qu'a été sa vie, la vraie voie messianique qui deviendra celle des chrétiens. Mais ces espérances dont je vous parle, elles n'ont pas forcément derrière été se rattacher à, on va dire, un judaïsme évangélique, à un judaïsme messianique, au courant chrétien, en fait, qui a été celui de Jésus, de ses apôtres directement, et puis des chrétiens et de l'Église. Il y a, en fait, peut-être même dès le temps de Jésus, du fait de ces attentes messianiques et des fantasmes, en fait, qu'elles ont pu susciter dans la conscience de certains Hébreux, des déformations de la figure de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait des espérances extrêmement fortes et que certains Hébreux ont préféré leurs espérances à ce qu'a été réellement Jésus. En particulier, il y avait des espérances gigantesques, si on peut l'appeler ça comme ça, de ce que le Messie serait un Messie politique, un Messie roi. Et ces espérances, on les voit, on en a des témoignages historiques dans les textes chrétiens. Le fait que le titulus de le crucis, l'écriteau qu'il y a sur la croix de Jésus, le mentionne comme roi, alors roi qui n'a pas régné, le faux roi des Juifs. Et le fait que les chefs juifs aillent se plaindre auprès de Pilate, justement, de ce que cette expression était là, témoigne justement que c'est ça que beaucoup d'Hébreux voyaient en lui. Et puis on le voit même jusqu'à ses disciples, ses apôtres, au jour même de l'ascension, qui vont lui demander: « Mais Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Ça, c'est dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. On voit déjà que, donc, au temps de Jésus, des gens le suivaient, jusqu'à ses apôtres même, avant de recevoir l'Esprit-Saint, en pensant qu'il serait le Messie politique qu'ils attendaient. Derrière, à côté, on va dire, déformation de ce qu'a été Jésus, puisque Jésus n'a pas assumé de rôle politique, il a refusé d'assumer une royauté, et pourtant il aurait presque pu prendre le pouvoir. Quand on voit son entrée triomphale à Jérusalem, mais voilà qu'une semaine après, devant Pilate, il dit: « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc à côté de cette première déformation de ce qu'a pu être la vraie personne historique de Jésus, le discours même de Jésus et des premiers chrétiens et des chrétiens par la suite va être dénaturé et va donner encore une autre dimension, à une autre déformation, un autre niveau de déformation à la figure historique de Jésus. Jésus s'affirme en tant que Messie, sauveur du mal. Et le père Édouard Marie vous en a un petit peu parlé hier, en parlant de cette notion de salut, et de salut qui est proclamé dans le monde entier. Il apporte quelque chose de radicalement nouveau dans le monde. C'est-à-dire que, hormis au sein même du peuple hébreu, où on peut estimer que la religion des Hébreux préparait cette annonce, le reste du monde vivait dans les religions, dans des cultes très divers, qui avaient pour but de contenir le mal à l'intérieur de la société, par des systèmes sacrificiels notamment, comme décrit par René Girard ou Lévi-Strauss également. Mais il n'était pas question de libérer le monde du mal.
l'idée même, l'espérance qu'un jour peut-être le monde serait libéré du mal n'existait pas. Et à la suite de la prédication de Jésus et, des premiers chrétiens, cette idée se répand dans le monde. Et elle touche des ressorts psychologiques très profonds. Le monde pourrait être sauvé. C'est exactement les mêmes ressorts que ceux qui sont atteints par exemple des doctrines révolutionnaires comme en 1917, que chez les Russes, comme dans les années 60, avec tous les aspects autour de Che Guevara, par exemple, ce qui a pu se faire au moment de la Révolution française. La perspective que le monde pourrait être sauvé pousse les gens à s'engager et à tuer et à se faire tuer. Et donc cette perspective du salut du monde entier, elle fait fantasmer beaucoup autour de la figure de Jésus. Et notamment chez des gens pour qui le mal, c'est-à-dire le mal que Jésus viendrait, donc quand Jésus ferait la promesse qu'il viendrait l'ôter du monde entier, chez des gens chez qui ce mal est assimilé à l'autre, à celui qui n'a pas la bonne religion, à celui qui est un impur. Et donc en particulier chez certains Hébreux qui ont ce type de conception, le mal c'est l'impur, le mal c'est l'impureté, le mal c'est la mauvaise religion, le mal ce sont les goïms à la limite ou les nations. Délivrer le monde du mal, comme Jésus le promet, ça revient en fait, dans leur esprit, à délivrer le monde de la mauvaise religion et délivrer le monde des autres qui ne sont pas bien comme il faut. Délivrer le monde des méchants. Et ça, c'est une déformation qui apparaît très peu de temps après la prédication de Jésus, dès le 1er siècle, alors même que certains des apôtres étaient encore vivants. Et puis derrière, d'autres événements historiques vont pouvoir aussi transformer encore cette figure de Jésus, la déformer. Je pense là à la destruction du temple de Jérusalem à la suite de la première guerre juive, pendant la première guerre juive, qui est une catastrophe sans nom pour les Hébreux, les descendants des pharisiens aujourd'hui, les juifs rabbiniques d'aujourd'hui, la pleurent encore tous les ans. Cette catastrophe, elle a été annoncée par Jésus. Donc ceux qu'ils voient comme un messie non chrétien renforcent encore leur idée qu'il est vraiment le messie. Et qui plus est, Jésus a dit qu'il rebâtirait le temple. Et donc certains vont croire que, en plus de toutes les qualités qu'il lui donne, de messie politique, de pourfendeur du mal dans le monde au sens physique, ce serait en plus un messie qui viendra, puisqu'il l'a promis, reconstruire physiquement le temple. Vous voyez là déjà tous les ingrédients de ce qui va être le judéo-nazaréisme, c'est-à-dire le courant ex-judéo-chrétien à l'origine de l'islam, comme le père Édouard Marie l'a montré. Et le moteur, en fait, de cette déformation, ça c'est une chose que je voudrais reprendre en conclusion, mais je suis sûr que je n'arriverai pas, parce que le temps nous est compté, le moteur de cette déformation, c'est le fait de vouloir préférer son propre fantasme à la réalité historique. Alors pourquoi ça? Parce que le fantasme nous apporte des bénéfices. Croire dans le Messie politique et dans la restauration d'Israël, c'est certainement derrière parce qu'on va en tirer quelque chose. On va avoir une position de puissance ou de pouvoir dans Israël, on va en tirer des bénéfices. Jésus sauveur du mal, qui pourfend et tue physiquement les méchants, ça tombe bien, comme on est du côté des gentils, on sera du côté des gagnants. Et ainsi de suite, la reconstruction du temple, qui devrait permettre de rétablir la vraie bonne religion, mettra aussi celui qui veut y croire par-dessus tout, dans le camp des vainqueurs. Donc à chaque fois, on en tire quelque chose, en fait. Mais on en tire quelque chose, soit, mais c'est au prix de la construction de ce qu'on peut appeler une surréalité. C'est un vocabulaire qui a été développé par les dissidents soviétiques pour parler de la soi-disant réalité que décrivait la Pravda, la surréalité, en fait, c'est le monde imaginaire que commencent de se former les gens qui déforment la figure historique de Jésus en disant « Jésus est comme si, Jésus est un messie politique, même s'il a dit qu'il ne l'était pas, Jésus viendra rebâtir physiquement le temple, même si Jean prend la peine dans son évangile de dire que le relèvement du temple dont il parle, c'est son propre corps et ce n'est pas le temple physique. » En fait, le fantasme fait que c'est... Ceux qui commencent à déformer la figure de Jésus en deviennent, d'une certaine façon, schizophrènes. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités chez eux. Il y a leur surréalité et puis une réalité historique qui n'a pas droit de citer. Parce que si jamais ils devaient considérer que Jésus n'est pas un messie politique,
qu'il ne va pas tuer physiquement tous ceux qu'il considère comme méchants, qu'il ne va pas rebâtir le temple, toute leur représentation mentale s'effondre, toute leur vision du monde s'effondre, tout ce qu'ils sont même s'effondre en fait. Et leur projet dans le futur, leur projection dans le futur, leur espérance s'effondre. Donc leur raison de vivre s'effondre. Et donc cette déviation de la figure de Jésus, elle a pour à la fois pour objet et pour conséquence de transformer complètement, de donner des espérances folles aux gens en fait, des espérances de schizophrène. Et c'est celle qu'on retrouve donc dans la mouvance judéo-nazaréenne. Alors je vous l'ai mis avec un petit schéma, j'ai travaillé un petit peu tard hier soir exprès, en me disant, avec ce qu'on avait vu hier avec Pierre, je vais reprendre sa façon de faire, en espérant que ça clarifiera un peu et positionnera bien les choses. J'ai mis en haut, comme ça, les espérances de l'hébreu, l'alliance en fait, et à partir de là, la figure chrétienne de Jésus, la figure historique de Jésus, donc Jésus vrai Dieu, vrai homme, Messie, Sauveur, et puis de ces espérances-là, il y avait les fantasmes, enfin pas encore les fantasmes, mais les espérances que peut-être le Messie serait politique. Et ces espérances-là, elles sont transformées par, on va dire, la dénaturation, le fait que les gens qui croient à ça viennent prendre dans les idées chrétiennes ce qui les arrange. Et qui est-ce qui les arrange dedans? C'est l'idée que le monde sera sauvé. Donc j'ai mis ici que la déformation qui arrive et qui fait ce courant après, c'est la dénaturation de l'espérance du salut. Et à partir de là, le Jésus, enfin le Messie politique qui est attendu, à la limite il faudrait que j'enlève le Jésus ici, le Jésus devient ce Messie homme qui va éradiquer le mal. Et puis après arrivent des événements dramatiques, des événements de l'histoire, comme il peut s'en produire, les malheurs d'Israël, à savoir destruction du temple, les guerres juives, l'expulsion des juifs de leur terre, et qui renforcent encore ceux qui croient que Jésus est un Messie homme et éradicateur du mal, qui les renforce encore en ajoutant des dimensions supplémentaires. Jésus va rebâtir le temple. C'est nous qui avons raison, puisque Israël a été expulsé de sa terre, puisque le temple a été détruit. Et se construit comme ça, petit à petit, couche après couche, année après année, on va dire maître en religion après maître en religion, qui reprend la tradition de son prédécesseur, une figure judéo-nazaréenne de Jésus qui s'éloigne de plus en plus du Jésus de l'histoire. Et si on poursuit encore dans l'histoire, là on arrive maintenant vers le 6e siècle, ces judéo-nazaréens, dont les témoignages historiques nous disent qu'ils sont partis en Syrie, se mettre dans un exil pour maturer leur projet de venir reprendre, de maturer leur projet d'attente du retour de Jésus, qui viendrait donc éradiquer le mal. Ces judéo-nazaréens se rendent compte au bout de quelques siècles que Jésus ne revenant pas, il va falloir qu'ils fassent le travail eux-mêmes et qu'il va falloir qu'ils travaillent sur les conditions du retour de Jésus. Et donc ils vont petit à petit bâtir un programme politique qui va viser à reprendre le contrôle de Jérusalem et la Terre Sainte pour pouvoir y rebâtir le temple à la place de ce que eux pensent être le rôle du Messie. Donc petit à petit, en fait, faisant ça, ils s'approprient ce qu'ils pensent être le rôle du Messie. Et ça contribue encore à la déformation de la figure du Messie, c'est-à-dire qu'on retire de plus en plus au Messie ce qui sont ses attributs pour se les donner à soi-même. Et on passe comme ça de gens qui croient dans une figure d'un Jésus, Messie, homme, éradicateur du mal et rebâtisseur du temple, enfin, et relevant le temple, le mot rebâtisseur n'est pas très beau, à une figure de Jésus où Jésus n'est plus Jésus lui-même qui rebâtit le temple, ce sont les Nazaréens qui le feront en mettant en place un programme politique. Et donc Jésus, à ce moment-là, il est juste le Messie homme, l'éradicateur du mal, qui va, lors de son retour, prendre la tête des armées constituées par les Nazaréens pour éliminer physiquement le mal du monde. Alors on a des témoignages de la dérive des Nazaréens, je ne vous parle pas de ça en pure spéculation. Je vais quand même passer un peu rapidement dessus. Parce que là, on est. Il y a un Cerbère en face de moi. Encore 10 minutes. On sait qu'existaient, dès la fin du 1er siècle, des Nord Stream nazaréens, qui sont condamnés par les juifs rabbiniques comme étant des hérétiques. Les juifs rabbiniques ajoutent dans leur prière, dans leur liste de prières de bénédiction quotidienne,
une bénédiction supplémentaire qui est en fait une malédiction, qui s'appelle la Birkat Haminim, la bénédiction des hérétiques, qui est en fait une malédiction, et dans laquelle on désigne comme hérétiques des Nozrim, des Nazaréens, qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme Messie. Comment tu sais que Nozrim, c'est Nazaréen ? C'est à peu près la même racine. Et les Nozrim en eux-mêmes, c'est-à-dire tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie, ça englobe les chrétiens qui ont été condamnés, et ils s'appelaient eux-mêmes Nazaréens, c'est aussi pour ça qu'on le sait. Mais ce qu'on sait également, c'est que d'autres que les chrétiens se sont appelés Nazaréens. Par exemple, Saint Jérôme, qui a été en Terre Sainte et en Syrie en particulier, dans une de ses lettres à Saint Augustin, dit, que dirais-je des ébionites qui feignent d'être chrétiens ? Jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les synagogues de l'Orient, il y a une secte qu'on appelle les Minimes. Ça reprend ce que je dis à propos de la condamnation des pharisiens, qui est jusqu'ici condamnée par les pharisiens. Ils les appellent vulgairement Nazaréens, tandis qu'ils veulent être à la fois juifs et chrétiens. Ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Et on voit que c'est... Par des recoupements, on comprend que ce qui fait d'eux qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens, et en particulier qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est le rôle qu'ils donnent à Jésus, en fait. Théodorette de Cyre, dans son résumé des hérésies, nous dit, ben voilà, les Nazaréens sont des juifs qui honorent le Christ comme un homme juste. Donc c'est plus Dieu, c'est un homme envoyé par Dieu. C'est toujours le Messie, puisqu'il s'appelle le Christ, Christ c'est Messie, mais c'est un Messie homme. Epiphane de Salamine nous dit, ils sont les grands ennemis des juifs. Bon, alors, j'avais préparé des citations de Zeb de Sévaré, mais avec ce qu'on m'a dit sur lui hier. Mais bon, il en parle aussi, Zeb de Sévaré. A priori, il n'y a pas de bisbille avec eux, donc on peut peut-être le croire. Il parle de ces gens en disant, « Il ne niait pas que le Seigneur fût né d'une Vierge et du Saint-Esprit. Il refusait de confesser qu'il était Dieu, la parole et la sagesse. » Donc on voit déjà des témoignages de ce que cette figure de Jésus a été complètement transformée chez les Nazaréens, chez les judéo-nazaréens. Sur l'émergence du messianisme politique, comme je vous l'ai décrit, c'est-à-dire la volonté, l'espérance que le Messie viendrait éradiquer les méchants du monde, ça on la trouve en particulier dans le travail qu'a fait le père Édouard Marie à la suite d'autres sur les textes de Qumran, et notamment les modifications de certains textes, où on voit en fait que les différentes figures du Messie commencent de s'agglomérer dans une figure d'un Messie qui va éliminer physiquement le mal du monde. Et à partir de là, on comprend comment se compose petit à petit un programme politique d'éradication du mal. Bon, alors je ne vais pas m'étendre dessus, on pourrait y revenir dans les questions. On arrive maintenant à la charnière des 6e et 7e siècles, avec nos Nazaréens rebâtisseurs du temple pour faire revenir Jésus, Messie, homme et rédicateur du mal qui sont ici, qui voient les siècles passés et leur projet de reprise de Jérusalem ne pas se faire parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment le potentiel militaire pour ça. Ils décident à ce moment-là de faire alliance avec des Arabes chrétiens voisins, christianisés. Je les fais figurer ici. Parce qu'il y a tout lieu de penser qu'ils n'étaient pas vraiment des chrétiens top niveau comme ceux que saint Irénée décrivait, dont Pierre nous parlait hier, à savoir des chrétiens qui maîtrisent l'évangile sur le bout des doigts et plutôt au cœur, à même de réfuter toutes les déviations de la figure de Jésus, avaient infesté la région du Moyen-Orient auparavant, ce que j'ai appelé l'arianisme. Derrière, c'est le fait de vouloir faire de Jésus, non pas Dieu, mais une sorte de super-homme. Et on peut penser que ces chrétiens étaient plutôt des chrétiens arianisés, arianistisés, et que ce sont vers ces chrétiens-là que les Nazaréens sont allés, les judo-nazaréens sont allés, pour leur présenter leur projet. Et comment est-ce qu'ils l'ont présenté ? Eux-mêmes ont décidé de sortir de leur isolement ethnique, en se disant, nous on était les vrais juifs et les vrais chrétiens, enfin les vrais disciples de Jésus. Mais comme tout seul on n'y arrive pas, il va falloir qu'on partage en fait notre élection divine, le fait que Dieu nous ait choisis pour porter ce projet de conquérir le monde en son nom pour en éradiquer le mal. On va le partager, avec ces Arabes, et ensemble on va faire une alliance. Les Arabes vont nous faire allégeance
on va les faire rentrer dans notre projet politique et on va exploiter leur potentiel militaire pour aller reprendre Jérusalem et y faire revenir Jésus en tant qu'il est, ce Messie simple homme qui va éradiquer le mal du monde à la tête des armées constituées par la communauté des purs, des vrais, des bons, que sont les Nazaréens alliés aux Arabes, ou plutôt les Arabes alliés aux Nazaréens, les Arabes ayant fait allégeance aux Nazaréens. Donc déjà là, on peut penser qu'il y a aussi peut-être encore une déformation de cette figure de Jésus telle qu'elle était portée par les judéo-nazaréens, dans le sens où s'adressant à des Arabes chrétiens, ils ont peut-être mis un petit peu d'eau dans leur vin sur le fait que Jésus ait été crucifié, sur certaines caractéristiques de Jésus, et ils ont été prêchés auprès des Arabes un Jésus auquel ils pouvaient croire. C'est-à-dire un Jésus qui ne s'éloigne pas tant que ça de la figure à laquelle ils croyaient. On peut imaginer tout à fait leur discours en se disant qu'ils ont dû aller les voir en leur disant « Vous pensez que Jésus va revenir à la fin des temps et que le monde sera délivré du mal ? Nous aussi, sauf qu'il va le faire de façon imminente si on arrive à le faire revenir à Jérusalem. » Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire rentrer les Arabes christianisés de Syrie qui vivaient dans leur entourage, dans leur projet. Notamment aussi en exploitant le fait que, selon leur discours, les Arabes auraient fait partie de la descendance d'Abraham par Ismaël. Donc on a encore de la déformation de la figure de Jésus. Alors cette figure de Jésus dans l'alliance nazaréo-arabe, il faut que j'aille vraiment vite, on peut dire qu'elle est... Dans cette alliance, c'est ce qu'on appelle le proto-islam, en fait, qui commence à la fin du VIe siècle et qui s'achève avec la prise de Jérusalem. La figure de Jésus, elle est anti-trinitaire. C'est exactement cette figure-là dont on a la trace dans les prédications du Coran. Donc Jésus est présenté comme un Messie simple homme envoyé de Dieu qui va revenir à Jérusalem lorsque la vraie religion y sera rétablie, donc quand on y aura relevé le temple et rétabli les sacrifices comme ils doivent y être faits avec la bonne liturgie, à ce moment-là, revenant, il va prendre la tête des armées des purs, donc c'est la communauté des Nazaréens et des Arabes, l'Umma Nazaréo-Arabe, pour conquérir le monde afin d'en éliminer physiquement le mal, c'est-à-dire éradiquer physiquement les impurs, les soumettre à tout le moins et imposer la vraie religion. Jésus, selon certains chercheurs, est présenté dans ce discours comme étant lui-même un Muhammad. Muhammad, c'est Mohamed, en fait, c'est un nom qui nous dit quelque chose, qui se traduit par béni, loué. Et effectivement, la formule Muhammad Rasulallah, qui est devenu aujourd'hui un des membres de la Shahada, de la profession de foi, enfin du témoignage des musulmans, c'est une acclamation messianique. Muhammad Rasulallah, en arabe, ça se dit également « Béni soit celui qui vient au nom de Dieu ». Celui qui vient dans ton nom de Dieu, le Rasulallah, c'est l'envoyé de Dieu. Donc on va dire que dans les premiers temps de ce proto-islam, le mot même de Muhammad peut renvoyer à Jésus. Et si certains s'attribuent ce surnom, c'est aussi en rapport avec le rôle messianique de Jésus. Et en particulier, les prédicateurs arabes, le principal prédicateur arabe, le Mahomet de l'histoire, qui relaye la propagande des judéo-nazaréens auprès des Arabes, s'attribuera ou on lui attribuera ce surnom en rapport avec la mission même de Jésus, puisque lui-même prêchant la venue imminente du Messie à Jérusalem, et en lui-même, il y a quelque chose de messianique. Bon, alors cette Oumma prend fin quand après la mort de Mahomet, quand Jérusalem est prise par la coalition des Nazaréens et des Arabes, fin 637, début 638, Mahomet est mort en 632, et le temple est reconstruit sous l'autorité d'Omar, et là il se passe quelque chose, le Messie ne revenant pas, il y a la crise au sein de cette alliance, et le proto-islam s'effondre, et ce qu'il se passe, c'est que les Arabes se retournent contre les Nazaréens, leur disant « Vous nous avez promis qu'avec le retour de Jésus, on deviendrait les maîtres du monde, qu'on allait conquérir le monde au nom de Dieu. Jésus ne revient pas, vous nous avez trompés, on vous éjecte. Mais on est déjà les maîtres du monde, puisque peu ou prou, ils ont déjà conquis le Proche-Orient, la Terre Sainte, l'Arabie, une partie de la Mésopotamie. Ils se projettent déjà en Égypte. Et donc, en fait, ils se disent « Mais il n'y a pas besoin de Jésus ».
pour faire le boulot. Le Messie, c'est nous. Et en particulier, le chef dit, le Messie, c'est moi. Et c'est le sens qu'on peut discerner dans le fait que le chef des Arabes prenne le titre de calife. Omar, c'est le premier, a priori, à l'avoir porté. On n'a aucune trace de ce que Abou Bakr aurait porté le titre de calife. Calife, ça veut dire lieutenant, lieutenant de Dieu sur terre. C'est le rôle du Messie. Et donc, on a encore une déformation de la figure de Jésus, telle qu'elle peut être perçue, ou les figures de Jésus, parmi les Arabes, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va grignoter un petit peu de ce qu'on pense être le rôle messianique de Jésus et se l'attribuer à soi-même. C'est-à-dire que les Arabes se disent, bah, en fait, c'est nous qui faisons le boulot politique. Il n'y a plus besoin que Jésus vienne le faire. Les Arabes sont le Messie, dans leur tête. Enfin, le calife, en tout cas, par le titre qu'il prend, montre qu'il l'est. C'est à eux qu'il revient d'aller conquérir le monde au nom de Dieu pour en éradiquer le mal. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin que Jésus revienne ici et maintenant, tout de suite. On renvoie son retour à la fin des temps. Mais le problème, c'est que bah, cette doctrine-là suscite des terribles querelles d'ambition. Parce que qui va être légitime pour être le chef et régner au nom de Dieu? Eh bien, justement, bah, je vais aller très rapidement, allez, Antoine, donne-moi 5 minutes. Il faut bien, hein. Il m'a fait commencer un quart d'heure en retard, hein. Moi, j'ai calibré, quoi. Hein. Ils le prennent sur leur pause. Comme je vous le dis, cette façon de voir les choses, à savoir c'est moi qui suis légitime pour commander les Arabes et conquérir le monde au nom de Dieu, génère des querelles d'ambition terribles, parce que tout le monde veut être le chef, tout le monde veut être le calife à la place du calife. Et donc s'instaure, dès que Omar quasiment prend ce titre de calife et s'attribue le rôle du Messie, une guerre civile terrible entre factions arabes, de gens qui vont se dire, mais c'est moi qui suis légitime pour régner au nom de Dieu, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Et bah Omar est très rapidement assassiné 4 ans après 640. Et on voit, et c'est, ça n'a quasiment pas fini presque depuis cette époque-là, une guerre civile sans fin au sein de ce qui deviendra l'islam. Des factions rivales s'affrontent et rivalisent d'inventivité pour se donner une légitimité en disant « c'est moi qui peux régner au nom de Dieu ». Et c'est dans ce bouillonnement, dans ce jeu de concurrence que sont inventés petit à petit les concepts propres à l'islam, à savoir un livre saint écrit en arabe pour les Arabes, le concept de calife, comme je vous l'ai dit, le fait que le livre saint, il faut bien qu'il ait été donné, donc il a fallu un prophète pour le dire. Et ensuite, il y a les notions même que ce prophète a parlé parce que c'est Dieu qui lui a révélé la chose, qu'il a fallu également un lieu saint. En fait, vous avez comme ça différentes factions qui s'affrontent, chacune disant « c'est moi le plus légitime parce que je suis le calife », « oui, mais moi j'ai un livre saint », »,« oui, mais moi je suis dans la suite du prophète », »,« oui, mais moi j'ai le lieu saint initial ». Et on voit comme ça, dans à peu près les 60 années, et même un peu après, qui suivent la reconstruction du temple, émerger ces concepts. Et ces concepts émergents, la figure de Jésus s'efface de plus en plus. On a de moins en moins besoin de Jésus pour se justifier et pour se projeter dans le futur, en fait. Parce qu'on s'invente en fait des références nouvelles qui nous justifient un futur nouveau, en fait sans Jésus. Ce qui le montre, une des choses qui le montre, c'est que petit à petit les califes en viennent à prendre le titre même de Muhammad. À partir de 683, un opposant au pouvoir califal, Abdallah ibn al-Zubayr, fait figurer sur ses pièces la mention Muhammad Rasulallah. Il montre qu'il s'approprie en fait à la fois la postérité du premier Muhammad à avoir porté ce titre qui serait le Mahomet de l'histoire, et puis également peut-être aussi le fait que c'est un titre qu'on renvoyait à Jésus. Les califes qui suivent à partir d'Adel al-Malik reprendront également ce terme, ils le mettront toujours sur leurs pièces. La figure de Jésus, elle n'a même plus besoin d'être invoquée pour dire qu'un Messie va revenir pour faire le boulot qu'on attend. Et donc cette guerre civile que je vous ai fait figurer là, elle fait émerger petit à petit, à force de bouillonnement, ce que va devenir l'islam en fait. Et une figure nouvelle de Jésus, qu'on vide petit à petit de sa substance, parce que sa substance, on se l'approprie, on la prend pour soi, et le rôle qu'on donne à Jésus, en fait on le prend pour soi. Et Jésus n'apparaît plus au final, à mesure que s'établit l'islam au fil des siècles, donc à peu près jusqu'au 9e siècle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus, le Issa que je vous ai présenté au tout début, il n'apparaît plus maintenant que comme une forme de justification
de la dialectique islamique qui dit bah, c'est nous les meilleurs contre les juifs, contre les chrétiens, comme la fatia, enfin la prière des musulmans, la première sourate du Coran le dit. La bonne voie, c'est la voie des musulmans, contrairement à celle de ceux qui encourent la colère de Dieu, les juifs, et celle des égarés, les chrétiens. Et Jésus, en fait, il n'est plus invoqué que dans une construction théologique un peu subtile, qui dit que Dieu a parlé à l'humanité par des messagers successifs et avec une succession de révélations qui s'annoncent l'une l'autre, et c'est ce à quoi sert Jésus, en fait. La figure nouvelle de Jésus, enfin dit ça dans l'islam, a été mise au profit de l'affirmation de la supériorité de l'islam. Vite. L'islam, en fait, à partir de 640, à partir de l'invention de ces concepts dont je vous ai parlé, s'élabore progressivement sous l'autorité de califes tout-puissants, totalitaires, autocrates, comme une religion nouvelle qui justifie les prétentions des califes, des arabes, puis des musulmans, quand la religion s'ouvre à l'universel, les prétentions de ces gens à conquérir le monde au nom de Dieu pour en éradiquer le mal. Donc là, ils ont absorbé une partie de ce qu'ils pensaient être la figure de Jésus. Pour se justifier, les califes constituent une religion nouvelle qui ne devrait rien à ce qu'il y avait avant, rien au judaïsme, rien au christianisme. C'est une religion qui propose un salut, c'est-à-dire on va sauver le monde, mais on va le faire par nous-mêmes. Et là, il n'y a même plus besoin que Jésus intervienne, Jésus étant renvoyé à complètement à la fin des temps. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui sauvent le monde en appliquant la loi de Dieu et en faisant en sorte que la loi de Dieu soit appliquée de plus en plus. Pour que cette religion puisse fonctionner, il faut la détacher complètement de ses origines réelles. Et donc il va y avoir toute une entreprise donc de construction de dogmes nouveaux, d'une théologie nouvelle, et donc d'effacement, dans le même temps, de ce qui ont été les origines réelles de l'islam. Le père Édouard Marie en a parlé hier, il y a eu tout un transfert historique et géographique de ce qui s'est passé en Syrie vers la ville nouvelle de la Mecque. On crée un livre saint à partir des écrits de propagande judéo-nazaréen. On élabore les textes fondateurs qui font émerger une figure complètement mythifiée du prophète qui aurait révélé tout ça. On fixe la religion sous l'autorité du calife dans une logique qui n'est pas celle de raconter une histoire, de raconter l'histoire des origines, mais dans une logique de justification du pouvoir, dans une logique normative en fait. Et les hadiths qu'on voit apparaître, ils servent moins à raconter l'histoire des origines selon le discours musulman qu'à justifier la conduite du pouvoir. À expliquer que, par exemple, le calife aurait le droit d'avoir plusieurs femmes, ou aurait le droit à ci, à ça. Et derrière, il y a aussi également des logiques qui n'existaient pas au début des origines de l'islam, nouvelles, celles de la gestion d'un empire, en fait, avec des communautés très différentes. Au temps de Mahomet, même du Mahomet mythifié du discours musulman, il n'y avait pas de communauté chrétienne et de communauté juive à administrer de la part d'un chef musulman. Et donc tout ce qui va être, par exemple, les règles de ce qu'on appelle la dhimmitude aujourd'hui, le fait de payer la jizya, et puis enfin, ce qui va avec, bah, ça va être petit à petit inventé à mesure que bah, des contraintes nouvelles apparaissent dans l'empire musulman et qu'il faut bah, donner des justifications religieuses à l'exercice du pouvoir par les califes. Et dans le même temps que se construit cette religion, on a de moins en moins besoin de la figure de Jésus, on l'a complètement vidé de sa substance. Il y a une islamisation et derrière un effacement de cette figure dans l'islam. On ne peut plus la ramener vraiment à ses origines chrétiennes. Elle n'a vraiment plus rien à voir. Le Issa que je vous ai présenté tout à l'heure, s'il est devenu aussi anti-chrétien que ce qu'il est, ben c'est parce qu'au fil des siècles, on l'a complètement vidé de sa substance. On en a fait quelqu'un qui n'est plus bon qu'à faire des imprécations anti-chrétiennes, celles qu'on retrouve dans le Coran, et les attributs qui étaient ceux qui conservaient encore la figure de Jésus chez les Nazaréens et même dans le proto-islam, dans l'alliance avec les Arabes, tous ces attributs-là, bah, ce sont désormais les musulmans eux-mêmes qui les prennent et qui, accessoirement, les confient aussi à ce qu'est le Coran, c'est-à-dire dans le sens où Jésus serait la révélation de Dieu, le Coran est la révélation de Dieu, et à la charia, c'est-à-dire la loi musulmane. La loi musulmane, c'est ça qui va sauver le monde du mal. C'est Jésus qui devait sauver le monde du mal initialement dans le proto-islam. Et donc cette figure de Jésus est complètement remaniée, elle aboutit à élaborer cette
cette théologie des révélations successives qui justifie l'islam comme religion nouvelle et en même temps très ancienne, et qui justifie surtout sa supériorité sur les juifs, les chrétiens et le monde entier. Et en particulier, on fait annoncer à Jésus à ce moment-là la venue de Mahomet. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il reste dans le discours musulman des réminiscences, des souvenirs de ce qu'a pu être la figure proto-musulmane, la figure arabo-nazaréenne de Jésus. C'est-à-dire que ce qui a arrêté ce proto-islam, c'est la très grave déception de l'attente eschatologique. Les arabo-nazaréens voulaient faire revenir Jésus, provoquer en quelque sorte la fin des temps. Ça ne s'est pas produit. Et donc derrière, il y a eu toute la construction religieuse dont je vous ai parlé. Mais il reste encore dans le discours musulman des traces de ce que c'était Jésus qui était le signe absolu de ce... Le signe et le but de toute l'entreprise des arabo-nazaréens. Alors on n'en a quasiment plus de traces dans le Coran. Le Coran a été bien expurgé. Mais des traditions extérieures au Coran sont passées et qui expliquent que c'est bien Jésus qui revient à la fin des temps, qui va faire ci, qui va faire ça. Et puis il y a toute une littérature qui se développe à partir de ces témoignages-là, parce que le souvenir de cette figure arabo-nazaréenne proto-musulmane de Jésus, et malgré l'entreprise des califes d'érection, de construction d'une religion nouvelle, est resté dans la conscience et dans le souvenir de ceux qui sont devenus les musulmans. Alors, j'en finis là. J'ai mis en fait ici tout mon petit schéma avec toutes mes déviations, slide après slide, et on voit qu'en fait, par rapport à la figure historique de Jésus, on arrive à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui, quoi. Alors, bon, vous reconnaissez un petit peu le cheminement que j'avais explicité avant. En conclusion, moi, quand j'ai travaillé sur la présentation, ça m'a quand même beaucoup attristé de voir ce à quoi on est arrivé à partir de toutes ces déformations de la figure de Jésus. Et je me suis dit, mais pourquoi, quand même, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça, quoi ? Et bien, force est de reconnaître que c'est à chaque fois l'affaire de compromission de chrétiens. On peut penser à Eusèbe de Césarée dont on a parlé hier. Je vous l'ai dit, il s'agit de vouloir croire en son fantasme, croire en son rêve, rêver en dépit du réel, en dépit de la vérité. Il y a des séductions qui sont celles des promesses faciles de faux salut. Les séductions du monde aussi, puisqu'on tire toujours des rétributions très terrestres, que ce soit en termes d'orgueil, de position de pouvoir, de butin, de richesse, d'esclaves, de femmes, tout ce qu'on veut, qui font que petit à petit, la figure de Jésus est déformée, jusqu'à être complètement insipide, vidée de sa substance. Et c'est vrai, il faut bien le reconnaître, le Jésus de l'islam est bien falot à côté de même ce qu'a pu être le Jésus des judéo-nazaréens. Et ça permettra d'introduire l'intervention du Père Édouard Marie, on voit en fait qu'avec les contrefaçons de la révélation, quelque chose a changé en fait dans le monde. J'en avais parlé tout à l'heure déjà en disant que le salut a révolutionné les façons de percevoir le monde. Mais on voit également qu'avec les contrefaçons de la révélation, le mal utilise maintenant la promesse du bien et du bien vraiment supérieur, le salut du monde, pour séduire et pour se déployer. Voilà. Merci.